Ça va ou quoi? Bon, on a perdu, hein. On a perdu. C'est un beau match quand même, hein. Bien joué, hein. Messi quand même qui termine sa carrière sur quelque chose, hein. C'est chiant pour nous, mais bon. Bon, les amis, j'ai juste envie de game là. Je vais pas vous mentir, hein. J'ai juste lancé le jeu. J'ai juste game, hein. Faut que je fasse les groupes Razaguette. Je les ai pas fait parce que je suis un flemmard. Bon, sachez qu'on a fait des 17 et tout aujourd'hui. Et que c'est Hip qui a tout pris les loots. Voilà. C'est lui là. Il a mangé tous les loots. Il passe plus les portes. Alors, je dois dire que je me suis mis bien aussi, donc tranquille. Mais bon, il a mangé tous les loots là, le bougre. Bon, ce soir, Razaguette NM. Ça fait trop plaise. Ah, tant que les gens lootent. Là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que. J'ai joué avec plein de gens. J'ai un peu lâché mon groupe et tout pour jouer avec plein de gens. Mais pour pouvoir monter plus haut. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En gros, j'ai joué avec plein de gens. On a fait que des 15, des 16, des 17. Du coup, les gens, ils ont pris des gros ups, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le problème, c'est que faire des 10 et tout, plus personne need, quoi. Déjà. Donc, enfin, il y a des needs, mais voilà. Et du coup, j'ai essayé de prendre des gens qui avaient besoin de loot. Et ça a plutôt bien marché, en vérité. On a réussi à avoir pas mal de loot. On a des gens qui ont récupéré des trinkets. Enfin, c'était cool, quoi. Le boss, c'est un boss plutôt mono. Avec, au moment où on va sur les plateformes, en gros, il va y avoir des élèves, des gros élèves. De vent, de foudre, il faudra absolument détruire. C'est un peu comme d'ATA, c'est-à-dire il y a un gros ZAD à vraiment nuke et des petits ZAD à côté qui risquent de prendre la foudre. Donc voilà, c'est plutôt mono quand même, hein, overall. Au niveau de la P1, et après on va y aller, on va déjà parler de la P1. Donc si on arrive en P2, on se fait éjecter à droite et à gauche, et puis voilà. Au niveau de la P1, alors la P1 c'est très simple, ça va être un enchaînement. Il va y avoir au début 3 personnes qui vont avoir des bombes. Quand on l'a poule en HM, il y a eu 3 personnes qui vont avoir d'énormes cercles. Il faudra poser les cercles sur les symboles que j'ai posés là, rouge, violet et étoile. Et ça va faire une explosion. Plus on est prêt, ces bombes, plus on prend de dégâts. On mettra un shoot, on mettra un rallye et DFG au début pour pas mourir. Tu pourras même mettre ton totem de reste direct au moment des explos. Ça va poser des flaques. Ces flaques, elles vont nous permettre de pas être éjectés dans le vide quand il va faire son pushback, quand le boss va faire son pushback, parce que juste après il va nous éjecter. Et si on est dans les flaques, on se fait pas éjecter. Et puis voilà, en fait il fait ça 2 fois d'affilée. Ensuite il y a un souffle, un front. Donc le boss se retourne, il souffle, il faut pas se le prendre. Et globalement c'est à peu près tout pour la P1. Donc ça devrait être plutôt tranquille. Zafuka, Zera... Ouais, 2 secondes, je suis obligé de reload, j'arrive pas à la prendre. Faut que je le retourne, j'imagine. C'est où? Ouais, bon, de toute façon... Sur le flanc. Non, mais ouais, retourne-le. Donc là, il va y avoir les petites bombes. Ah ouais? Donc là, il y a des gens qui vont avoir des bombes, ok? Regardez les symboles, j'ai mis 3 symboles, vous essayez de pas aller sur le même. Je vais à droite, par exemple. Voilà, vert, violet. C'est shoot HP. Avancez-vous bien sur le boss. Et ça pète. Souffle. Oh là là, okay. Le carnage. Ok, venez là où il y a carré bleu, sur l'aile. On va se faire knockback. Allez dans une flaque. C'est maintenant. Ah ouais. Dans une flaque. Oui. Ouais, allez dans une flaque. Ok. Tu peux mettre une AMZ là où t'es. Ah, c'est devant une flaque. Ok. Mettons, ça te met trop loin si tu te mets devant. Il va y avoir les bombes. Pareil, vous replacez. Alors du coup, les bombes, allez, voilà. Ce sera le shoot de Airwax. Faut toper là, 2, les healers sur les... Shoot. Il va y avoir un Bress. Le boss va se retourner dans 2. On bouge. Souffle. Oh, ce rayon, ça me régale le bruit. Pushback à droite. Vous avez vu, je suis carré bleu. Et bip bip. Venez. 3. Dedans. T'es trop loin. Il faut vraiment être dedans à l'initiale. Bah non. Okay. Si spread, là. Au milieu sinon. Je prends trop cher. Là on se spread. Alors ça, c'est un truc. Il va falloir que vous mettiez un kick ou un stun sur votre propre orbe. D'accord. Donc là, un truc là. Un kick, un stun, n'importe quoi. Allez, on fait même ceux des autres. Quel? Oh, le bouclier du pal. Ok, donc là, vous voyez, par exemple, ça a failed. Il y aura un pushback encore. D'accord, il y aura un pushback. On a encore... Allez dans les flaques. N'hésitez pas à céder des persos, pierre de soin. Pour le moment, on fait pas de res. Ok, souffle. Reprends-le. Ouais, je vais éloigner. Il va y avoir une explo. Ouais. Les flaques vont dépop de toute façon. Allez, faut reculer. DFG, c'est des pertes. Ok. Il y aura un pushback. On spread. Ouais. Ok, il est transi là. Et deux. Allez vous placer. Donc le groupe Zeralapi. Lune. Zeralapi, KG, Vela, Sin, Fuka, sur Lune, avec Manu. Et les autres en face. On va être knock bientôt. Allez, ponce. C'est horrible. Donc là, vous allez en face. Vous avez un totem. Vous arrivez sur un LM. Vous le focussez. Il va y avoir des ZAD qui vont pop. D'accord, mais c'est la prio. D'accord, vraiment, il faut qu'il se fasse détruire la gueule. Attention à votre aggro, s'il vous plaît. Ok, t'avances là. T'avances. Ah, faites attention. Faites des kicks. Il fait des souffles sur les plateformes. Oui. Le boss fait des souffles. Normalement, là, vous voyez là. Vous voyez.
On est bien, nous. On est bien côté Zera. Claquez vos CD sur les ZAD. Allez, on enchaîne là, le groupe Kusa là. On va tous sur le même et on lève la tête. Regardez, regardez, le boss arrive. Hein. Le boss arrive côté Kusa. Vous avez vu? Le gros ZAD, le gros ZAD. Faites des kicks, des machins. Ok, tu enchaînes. Ok, le boss, le boss. Oh, il faut bouger, Zera. Côté Zera, on va sur les lèmes fast. Et on tue vite. Il y aura des ZAD, mais c'est lui la priorité. Il faut qu'on bouge. Le groupe Kusa, le groupe Kusa, avancez. Il y a un kick derrière, KG, je crois. Je sais pas, un grip, un truc. Je suis mort. Okay. Ouais, je le fais. On abat là. C'était le max que je pouvais faire. Ok, ça va souffler de notre côté. On est pile devant. Avancez. Tout droit. Non, Vela. Tout droit. Bien joué, ça j'aime bien. On a la guerre. Regardez, il y a une porte. Normal, une fois que vous le êtes tout clean. Le groupe Kusa, bougez. Suivez-moi, le chaton venez, de feu. Venez. Suivez-moi. Ouais, carré bleu, vous suivez. Je te mettrai un symbole. Là, normalement, vous cliquez dessus et. Même pas besoin de cliquer. Marchez dessus. Ouais. On se dépose. Donc là c'est P1 ou c'est phase 3? C'est phase 3. Donc là en gros ce qui va se passer c'est que je vais poser deux symboles. Ok, vous le retournez. Je vais poser un carré bleu et un vert. Les bleus iront sur bleu, les rouges iront sur vert. Vous allez avoir un symbole là, d'accord? Préparez-vous, regardez. Bleu sur bleu, vert sur rouge sur vert. Allez, go, vous placez. C'est la fixe de Mythic Plus. Ah, il y a une tornade au milieu des boules. Okay, là il y a quelqu'un qui fail par exemple. Vous voyez, là il y a quelqu'un qui a fail. Regardez, je rappelle. Regardez vos symboles, s'il vous plaît. C'est hip. On voit pas les trucs. Bah là, il faut que t'ailles avec ton groupe à droite. Je vois pas. Faut que t'ailles avec ton groupe, regarde la tornade au-dessus. Rouge sur vert. Ok, on a cassé le shield. H-pot, HS, ne mourrez pas. Voilà. Le Wicora est horrible. Non, on l'a pas cassé, justement. Donc là, faut que je vire les flèches. Je vais le refaire, le Wicora. Ouais, je crois. On a pas besoin. Là, on traverse. Alors là, il faut pas se laisser repousser. Hein. Je connais les gens qui vont vouloir. Là, vous vous écartez. Alors ça spread si jamais vous le prenez. Il faut que tu bouges, Yunin. Je vais où. Oh. Bah tu restes pas dans le raid quoi. La base quand on a une AOE. Prends le boss. J'ai deux stacks, je prends. Shoot, Airwax. Là ce sera les orbes. Kick, c'est ça, ce sera les orbes à kick. Exactement. J'en casse. Derrière, il y en a une à kick. Derrière. Oh le bouclier du derrière. Coup, c'est incroyable. Derrière. Merci. Ça fait quoi si ça explose? Un dot qui fait mal. Ok. Ok, Gorib. Bon. Pas mal. Je vais tenter le call. Mais Vela, ça c'est 40 poules ça? Parce qu'il y a que Vela qui avait. S'il y a tout le raid qui spam ça, moi j'enlève les bulles de dialogue, je vous le dis. Hein. Non, il faut. Là c'est injouable. Hein. Mais il faut voir les gens qui faillent. Est-ce qu'on peut mettre à la place de 1, 2, 3 juste droite, gauche derrière au lieu de l'affichage du 1? Ouais, je sais pas. Hein. Ça c'est Isaac. En vrai, il va le modifier. On peut pas guider nos persos automatiquement. C'est pas ça. Là, tu vois, typiquement, Manu, il a dit 3 c'est à gauche, 1 c'est à droite. Moi, j'ai compris l'inverse. Donc, je sais pas qui a raison. 1 c'est à gauche. 1 à gauche, pardon. 1 c'est à gauche. Regardez. À droite. Non, mais je viens de dire 1 à droite. Enfin, 1 à droite. Pourquoi vous avez fait 1, 2, 3 et pas l'une, losange? Go game. Non, mais lui, il peut prendre les guettes. Écoute, droite, gauche, derrière. Fin. Plus de problème. Sinon, lune, étoile et voilà. Non, parce qu'on peut se déplacer, attendez, c'est ça le problème, Manu. C'est qu'on va peut-être se déplacer, se décaler. Si on met lune, étoile, il faudra peut-être que ce soit plus. Ouais, il y en a qui va dire, bah, je me suis retourné et à droite, c'est à gauche, quoi. Non, mais. Go game. Après, moi, c'est moi qui avais une bombe là. J'avais le numéro 1. Le 2, c'est le raid. On se doit se placer derrière le raid. Le 1, c'est à gauche, on est d'accord? Oui. Le 1, c'est à gauche, ouais. Donc j'étais bon. J'étais nickel là. Oui, mais c'est l'autre, c'était qui le troisième? Pourquoi on a non dit mais DFG, en fait, non mais arrêtez de débrief. DFG s'est retrouvé à gauche, il devait pas y être, du coup il a bricolé, point. Voilà, oui, next move. Mais il peut, en vrai il peut. Voulais... Mais c'est juste qu'il faut qu'il s'éloigne. Je voulais être sûr que j'ai pas fait de la défense. Le problème c'est qu'il y avait personne d'idéal. Si bon, c'est très simple. C'est très simple. On va pool. Il faut. De toute façon, on est. Les gars, là on est pas là pour le tuer, on est là pour pool et apprendre. Donc en fait, juste on y va et c'est tout. Non mais on va le tuer, hein, je te le dis. Oui, d'accord, donc poule. Ok, bah, je poule. Jouez. Jouez. Par contre, Manu, plus jamais tu fais ça. À la fin du compteur. Ah, bah, désolé, j'étais en poule, tu poules. Désolé. Non, c'est à la fin du compteur, Manu. S'il vous plaît, je suis désolé, là, mais taisez-vous, jouez. Marc, recule un peu. C'est des persos. C'est pas mon dos. J'y vais. Souffle. Oh là, non, j'ai plus de mobilité là, j'ai plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a deux. Ouais, c'est Tétan. Boucheresque. Encore. On y va, dedans, dans la zone. Il y a des gens qui mettent trop longtemps. Je sais pas pourquoi vous êtes pas à côté de la zone dès qu'elle est là. Hein. Au passage, il y aura des bombes, ça va des pop. Je rappelle, le 2 c'est derrière nous sur violet. Juice, Marmotte, envoie Luke. Tout, Marmotte. Faut mettre des CD. Va loin, Marmotte, mets-toi un CD. Ok, fais gaffe à toi. Parfait, ça, voilà.
Voilà, tant c'est bien ça. Bress. Tant que t'as le debuff, t'entends-moi pas, ok? Ouais. On va faire comme ça. Tente-le. Ah oui. Oh putain. Zera, pas Louis Corrin, je crois. Knockback. Dedans. Et on se spread ça. Derrière, on se spread. Ok, ce sera spread, CD perso, d'accord? Shoot. Et les CD là, les trucs de. Voilà. On met des pierres de soin s'il faut. Je crois que j'ai pris le deuxième sac là. Shoot, Sin. C'est shoot déjà. T'inquiète. C'est très bien. Continuez. Pushback. Vous êtes proche, pas dedans par contre. Pas dedans. Oh, t'es rigolo. Je t'ai vu. Je suis mort. Allez là, ce sera Breath. Manu. Pardon. T'es vraiment drôle. Ok, loin, tranquille. Tout le monde est full life. Ouais, parfait, Scocoon. Excellent, Scocoon. Je suis derrière le raid. Il y aura Spark, ce sera Spread. D'accord. Spread, on break tout. Les CD def et tout, on break tout. Et on ira sur la flaque, on va se faire. On break tout. Et on va se faire knock. Venez. Au fond, un kick au fond, s'il vous plaît, un match, n'importe qui. Non, vraiment pas. Bombe. On joue. Allez loin. Ah. Oh là là. Manu. Oui. Tu te souviens ce que tu m'as dit? Tu te souviens ce que tu m'as dit aux urinoirs là il y a 30 minutes? Ouais, c'était incroyable. Aux urinoirs. Il a dit quoi? Je veux savoir. Pourquoi ils sont cons et moi j'étais con. Tu m'as dit quoi aux urinoirs? Il m'a dit non mais ça va, les gens sont pas cons quoi. Ah ouais. La Rox a dit la même tout à l'heure. J'ai dit exactement. Il m'a dit non mais il y a pas besoin de symboles, ça va, les gens sont pas cons quoi. Arrêtez de regarder les symboles hein. Encore une fois hein. Non, c'est pas les symboles. Enlève-les. Derrière red, gauche, droite. Voilà, c'est tout. On peut pas les enlever. On fout des symboles. Non, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de voir jusqu'où il faut aller. Et moi quand je vois des gens qui vont à droite effectivement parce qu'ils ont vu droite mais qui s'arrêtent genre à côté du mec qui est violet et qu'on se prend une double explo pleine balle, ça rend enfin non, ils vont être là les symboles. Et vous êtes grand. En fait, je vous explique. Je vais vous expliquer là. Là vous chipotez. D'accord. Oui, c'est-à-dire, il y a un Wikora avec une flèche qui annonce, d'accord. Vous êtes deux, c'est derrière, d'accord. Vous avez celle du milieu, vous êtes derrière le raid. Vous êtes un, vous allez loin à gauche. Vous êtes trois, vous allez loin à droite. Fin de tournage. Et ça, on chipote là. Ok. Depuis tout à l'heure, on parle, on machin, on truc muche. Genre, au pire, voilà. Genre, on chipote là. Désolé. Non mais t'as raison. C'est mérité. T'as raison. Ah, c'est facile. Hein. Les gens sont cons. Hein. Pardon. Symbole. Pardon, excusez-moi, j'étais pas mis ça. Ouais, Zera, t'as compris ou pas? Yo mec. Ah oui, je tourne quand j'ai pas le debuff. T'inquiète, c'est bon. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Dans Death Star, taunt, touch. Bah, je suis mort deux fois parce que je prends des dégâts cette fois, donc je peux pas faire d'erreur du coup. Ouais, je taunt quand j'ai plus le buff, t'inquiète, vas-y. Pour les ads ? On en reparlera après, il reste très peu de pool. On est parti. Ouais, pour les ads, ça pourrait être giga bien. On verra si tu peux... On aurait pas jusqu'à 5 heures là par contre ? De quoi ? On aurait pas jusqu'à 5 heures là ? J'espère. On n'a pas joué aujourd'hui. En vrai, c'est vraiment bien comment ça avance et c'est normal qu'on ait toutes ces questions. Okay. Allez, les marques. Donc essayez de vraiment stab ce début de fight. Souffle. Merci. Il y aura le pushback qui vient, non ? On va bientôt rentrer. 3, 2, 1, on y va. Vous tapez là les mêlées ou pas hein? Non, on pouvait pas là. Il faut vraiment vous reculer un tout petit peu le boss en vrai, je pense. Au pool. Mais on peut pas vraiment. Il avait pas bougé. Oui, en fait, mais pourquoi vous mettez pas la marque un petit peu plus avant ça? Parce que ça nous laisse. Tranquille, on verra après. Il va y avoir un souffle. Souffle. Et puis en même temps. On va bientôt rentrer. 3, 2, 1. Souffle maintenant, attention. Et après, ce sera spread. Yip, tu feras ton roi. Allez, Marc, on se place. Les autres, on est dans le boss. Dans le cul du boss pour les dégâts. Excellent. Voilà, c'est clairement loin là, DF. Ah, j'ai mis un peu loin, pardon. Après, c'est bien, hein. Mais faudrait. Faudra me replacer. Ah, pushback, on va aller à l'intérieur. Dans 2, 1, go. On y va. Il y aura souffle instant, totem. Souffle. Excellent. Tantôt. Bombe. On se remet derrière le boss, les autres, ceux qui n'ont pas la bombe. On heal les bombes. Et vos pieds en même temps. Excellent ça.
Il y aura Spark, ça sera spread. Vous pouvez spread. Déjà spread. Et là faut aider, là faut aider. Et derrière ça sera le win très vite. C'est ça, c'est on kick tout très vite. Je fais hip en premier, je fais. MD, okay. Dispel, tout. Et on se place, on se place, on se place, on se place. On se place direct. On go dedans. Non. H-pot, mourrez pas. On ressort. Je roar. Parfait. Oh. Bombe, bombe. Et on push là. On push. Bombe, bombe. Allez, Walker en même temps. Walker en même temps. Les marques. Oh. C'est bon. Ouais, Manu. Ok. C'est ça, non bah, ouais, mais il fallait reculer un tout petit peu quand même. Bref. Tu peux rank, mais... Sauf tu vas rank, ouais, tu vas rank. Après, ouais. Go. On va se prendre un push, je pense. Ce serait bien de le... d'appuyer. Nice. Ouais, c'était un peu trop trash, désolé. On est d'accord, on prend des dégâts de chute quand on atterrit sur le truc. Oui. Oui. Ouais, on prend, oui. Une, on prend une bourre. Ok. Et les gens chez Zera, regardez où je me fais knock moi. Vous voyez là ? Parce qu'on sait qu'on va bouger direct. C'est à nous de bouger là ou pas ? C'est Zera. Attention, Marc. Venez là, venez là, venez là, venez là. Ouais, back, back. On aura moins à bouger. Ouais, je suis mort. Ah là. Orange, attention, orange, sur nous, sur nous. Faut finir là derrière. Ok. Allez, ciao. Ouais, mon pote. T'étais où ? Il faut qu'on soit vraiment sur les ZAD et des fois, il faudra bouger en back ou en avant, quoi. Ah. What the fuck ? C'est red off et. J'ai eu la notif, c'est un kill. Et comme ça, vous pourrez réfléchir. Bah, tant mieux si vous avez encore la motive. Allez voir les logs, regardez vos talents, regardez les vidéos de ceux qui l'ont down, regardez comment vous pouvez vous améliorer. Il y a 10 000 moyens d'améliorer votre façon de jouer sur ce boss pour tout le monde. Et c'est le dernier qui reste, donc s'il y a un moment où il faut se renseigner et optimiser vos talents pour le jeu, c'est maintenant, clairement. Donc, red off. Mais c'était bien, heureusement qu'on est venu pool, heureusement qu'on a fait cette soirée. Demain, ce sera probablement le premier boss en mythique, je sais pas, on va en parler. Et après. Et après des mythiques plus et la soirée de raid, je sais pas trop, on va en parler. Ok, GG, super cool en tout cas. Donc raid, ouais, merci. Ouais, GG de fou. Boss. Bon, mesdames et messieurs, on a avancé quoi. Bref. Bon, je me casse. Merci beaucoup à ceux qui ont vu le live. On a commencé un peu tard avec le match et tout. On ira probablement faire le premier boss en mythique. Un petit peu de mythique plus, puis on retournera sur Raz. Hein. Il va nous falloir du gear. Hein. Il va nous falloir du gear. Évidemment qu'on garde la motive. Il nous reste exactement 2 jours. Moi, je dis que ça suffit, donc on verra bien. Dans ces belles paroles, je vous dis. Bonne nuit, je me casse.